Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 8, ce qui suit. C'est pourquoi ce chant a été appelé chant du sang jusqu'à ce jour. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons un verset de la Bible qui existe puisqu'il est là. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger de la connaissance de la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est quelque chose, hein, ça? Alors, nous lisons au même chapitre, au verset 3 et 4. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Au départ, ces 30 pièces-là, c'était le prix du sang. Au verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc c'est à cause de ces 30 pièces d'argent que Judas a été se pendre. Donc initialement, c'était le sang de Jésus. Et là, au verset 5, Judas a été se pendre. La fin du verset 6. Bon, lisons le verset 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Les 30 pièces d'argent, c'est d'abord le prix de Jésus, la mort de Jésus, mais c'est aussi le prix de la vie de Judas. Donc ce chant qui porte le nom chant du sang, il aurait été plus approprié de l'appeler le chant des 200. Pourquoi je le dis, c'est tout simple. Dans Deutéronome 30, verset 15, tu as oublié? Mais voilà, allons-y. Deutéronome 30, verset 15. Et nous verrons ensemble que les deux marchent de pair. Deutéronome 30, au verset 15. La Bible, elle est magnifique. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. La vie, c'est Jésus et le bien. Le mal et la mort, c'est Judas qui a choisi l'autre voie. Tu as compris? Initialement, le sang de Jésus, mais aussi le sang de Judas. Les deux sont morts. La même pièce de 30, les 30 pièces d'argent pour livrer Jésus, c'est la même somme qui a été utilisée. Parce que Judas est mort. Il s'est suicidé. C'est la même somme qui a été utilisée
pour acheter ce fameux champ. Prions. Seigneur, même là, nous découvrons Jésus, le chemin qui a été crucifié, et l'autre chemin que Judas a emprunté, et nous voyons sa fin. Seigneur, toutes celles et ceux qui écoutent ce WhatsApp sont à une croisée. Choisir Jésus, la vie en faisant le bien, choisir le mal en ayant la mort. Merci de nous aider de faire le bon choix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.